Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette du foutou. Cette recette, vous devez la noter dans votre carnet parce que vraiment, le goût y est et c'est vraiment rapide et facile à réaliser. Voyez comment je me suis régalée avec mon foutou sauce graine à bengue. Écoutez ça, en tout cas, note la recette. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche des notifications. On passe à la préparation. Pour commencer, je vais éplucher mes bananes, enlever le milieu noir pour ne pas qu'il y ait des graines noires sur le foutou. Voilà. Donc, j'enlève ce milieu-là. Je vais rincer mes bananes et ensuite les mettre à cuire au feu dans une casserole, ajouter de l'eau et tout. Voilà. Une fois que les bananes sont cuites, vous retirez, vous rajoutez dans une casserole propre. Vous utilisez votre mixeur à main, le blender, et vous mixez lisse. Voilà. Vous mixez bien lisse. Une fois que la banane est bien lissée, vous rajoutez une grosse cuillère à soupe de fécule de pomme de terre. Voilà, le fécule de pomme de terre et la purée de pomme de terre. Je vais vous écrire les mesures là sur la vidéo. Voilà, je prends cette purée là, un sachet de 125 grammes. Je rajoute bien ma purée. J'ai utilisé 3 bananes. Et je vais mixer le tout encore avec mon blender. Je vais bien mixer pour ne pas qu'il y ait de grumeaux et tout dans mon foutou. Je mise bien. Enfin, il faut avoir un blender vraiment puissant. Le mien là, il était 100 watts, mais à un moment, vers la fin, il a commencé à chauffer aussi. Donc, faites avec patience, vous rajoutez un peu d'eau si possible pour faciliter le mixage. La mixture, mais le mixage, c'est même pour mon chef. Regardez, rajoutez un peu d'eau si c'est difficile. Une fois que vous avez fini de mixer, vous passez la casserole sur le feu. Moi, je mets vraiment à feu très doux. J'ai rajouté juste un peu d'eau et j'ai mis à feu vraiment doux à 0,5. Voilà. Et je vais faire maintenant malaxer ça comme le placali là, vous voyez non? Comme sur la vidéo là, vous faites ça bien pour que ça puisse tirer parce que c'est la fécule de pomme de terre qui va activer le côté tirant du foutou là. Je vais bien malaxer et refermer pour que ça puisse cuire à la vapeur parce que la pomme de terre n'est pas encore cuite. Vous pouvez utiliser aussi le micro-ondes si vous êtes... Si vous n'avez pas le temps de faire tout ça, vous pouvez juste mettre dans un bocal qui va au micro-ondes et fermer, mettre au micro-ondes 4 minutes par là. Là, je viens, je rajoute un peu d'eau et je referme. Voilà, j'ai laissé à feu doux pendant au moins 20 minutes. Je viens vérifier, vous goûtez pour voir si la purée est cuite. Parce que quand vous goûtez, vous pouvez savoir s'il n'y a plus d'odeur de la farine et tout. Donc, quand vous voyez que c'est bon, vous retirez ça du feu. Bon, là j'ai malaxé un peu encore une à deux minutes et ensuite je vais retirer ça du feu. Et je vais enlever dans mon petit mortier. Vous ajoutez un peu d'eau dans votre mortier pour faciliter la forme que vous voulez donner à votre foutou, la forme du foutou. Voilà. Si vous voulez un foutou plus dur, vous pouvez rajouter plus de pommes de terre, de purée de pommes de terre. Voilà, c'est prêt. Bon appétit et bonne dégustation. Si tu as aimé l'astuce, n'oublie pas de commenter, de mettre un gros like. Et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye et bon appétit chez vous si vous êtes à table.